sommes le jeudi 5 mai, donc jeudi de l'Ascension. Bonne Ascension à tous. On va aller chez Arthur Grosjean, qui habite dans un village en Bresse, à 15 km de Chalon. On y va en vélo avec Garam et Quentin. Et quelles sont vos attentes pour ce week-end? Moi, j'ai envie de voir une vache accoucher, enfin mettre bas, comme on dit, et des vers de terre. Est-ce que tu as des attentes particulières pour ce week-end? Je sais pas, les arbres. Les arbres? Oui. Peut-être la forêt. Moi, j'aimerais voir un bouquetin ou un chamois. Un chamois. Un puma. Un tigre du Bengale. Allez, bonnes vacances. Allez, salut. Salut les vacanciers, lol. Ouais. Un tiers. Alors, on fait moins les marioles? Surtout toi. Sans doute un écureuil. Enfin, plus précisément, une crêpe d'écureuil. Ça fait des années qu'on essaye d'apprivoiser Arthur. Et là, ça y est, il nous invite chez lui. On va faire un petit tour de locataire. Soif, je savais que c'était rustique. Un peu, ouais. 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 C'est vraiment la Bresse, hein. Pour vivre les vaches, la Bresse. Oui, on a vu des vaches sur le chemin, on était comme des oufs, quoi. T'as vu le taureau qu'il y avait? Ouais. Il était ouf. C'est ça qu'on va manger? Il est encore temps de partir. Hein. C'est pour le petit de la bière. Dis pas mes raquettes. J'ai perdu le bout. J'ai un dernier volant. À toi? Non. À moi? Oui. Là, je peux rejouer après ça. Non. C'est fini. D'accord. Marre, c'est pas paradis. On n'en peut plus. Vas-y, je suis arbitre réglementaire. Combien de cases y a-t-il sur un échiquier? Je vais te le dire, moi, combien il y en a. Alors, 1. C'est 8. 2. C'est 8. Bah, tu comptes tous les trucs que t'as. C'est 8. 4, 5, 6. Non, c'est 8. Plusieurs. Turbulette. Turbulette.